Bah, t'es pas au travail? Non, c'est la pause. Ça va? Ça va? Bah si ça va, pourquoi tu me réponds pas alors? Enfin, j'étais inquiet. Désolée, j'avais pas vu tes messages. J'étais occupée. Bon, d'accord. Je te pardonne. Mais tu me fais un café par contre. Ok, mais juste 5 minutes. J'ai encore plein de trucs à faire. Tu rentres? Pourquoi t'étais pas là ce matin? Bah, tu sais bien, j'ai pris un jour de congé. J'ai besoin de me reposer. Ah oui, tu fais le ménage pour te reposer, toi. Oui, c'est soirée foot ce soir. Je suis pas invité. Bah, parce que t'aimes le foot. Bah non, et toi? Non. Comment il va le foot alors? Bah, il va bien. Ok. Et alors on le fait quand ce voyage Baléares? Moi et mon mec, on avait plein d'hôtels sympas et il faut que tu viennes. Je sais pas. C'est compliqué. Je dois voir. Tu dois voir. Non, c'est pas compliqué. Enfin, je veux dire. Je vois bien qu'il y a un problème. J'en peux plus, ok? Enfin, je vois que t'es pas bien. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que t'es mon ami, là. Il y en a marre de ce Nicolas, là. C'est un abruti. T'as envie de le faire, ce voyage de Baléares, non? Fais quelque chose pour toi. T'as le pouvoir de le faire. C'est à toi de choisir. Mais il faut que tu ouvres les yeux, Émilie. Excuse-moi, je reviens. Ça a été ta matinée? Oui, ça va. T'as pris tout ce qu'il faut pour l'apéro? J'ai pris tout ce que tu m'as demandé, oui. T'as bien pris 3 packs de bière? Trois packs et même du whisky. Et les gâteaux? Les gâteaux, c'est bon et les pizzas arriveront pile pour le coup d'envoi. Mon maillot, il sera sec? Ton maillot sera sec Ok. d'ici ce soir et ton écharpe aussi. Bah, c'est même pas prêt! Bonjour Nicolas. Patricio? Mais qu'est-ce que tu fais là? Émilie n'était pas là au travail ce matin. Donc, j'étais inquiet. Mais je comprends mieux pourquoi. Bon bah maintenant t'es rassuré, tu vas pouvoir y aller, parce qu'on va manger là. Très bien. Bon appétit alors. Et Billy, on se capte après ta journée de repos. Oui c'est ça, allez là. Pile au bon moment, je viens de te servir mon ski. Parfait. Ça va. Tu vois, lui au moins il a fait un effort, heureusement que j'ai pensé à des esquives. T'es sûr que ça se mettra facilement ton truc? Oui, mais arrête de bouger. Ça va être chaud là, ça va être chaud. T'as vraiment, on va gagner, c'est trop. Bon bah, je vais vous laisser, bon match. Tu restes pas? Non, elle aime pas le foot. Je suis fatiguée surtout. Bonne soirée. Le château de cartes qui s'écroule, on espère pour eux que. Ils ont intérêt à gagner là, parce que. 25-30 faire comme l'année dernière là. Ils sont pas même scénario. Non mais pff, c'est une chance, hein, c'est le moment pour tout récupérer, pour tout rafistoler. C'est un rendez-vous avec l'histoire, hein, pour les Nantais. Et les marées caressent les plages de leurs vagues. Et le sable est d'un blanc pur. Le soleil irradie l'horizon. Et surtout, surtout, le football. De quoi? Mais oui, le football. Durant notre séjour, les meilleures équipes s'affronteront dans le stade, juste derrière notre hôtel. Mais Adrien, comment peux-tu me dire une chose pareille? Ce voyage était pour nous, pas pour ça. Maria, tu connais ma famille. Mon père possède le plus gros club de la Ligue. Adrien, c'est le foot, ou moi. Mais si tu n'aimes pas le FC Nantes, jamais nous ne pourrons être ensemble. Adrien, c'est le foot. Le FC Nantes ou moi. Tu pourras pas garder les deux. Thank you.
N'aie plus peur. Tu n'imagines pas l'étendue de ton pouvoir. C'est à toi de choisir. Ouvre les yeux. C'était quoi ces bières là? Je t'ai pas demandé de la sous-marque, hein. C'est... Ouvre les yeux un peu. Bah justement, tu vois pas, je fais toujours tout à ta place et t'es toujours là à te plaindre. Comment je peux sortir qu'un bouffe pareil? J'en peux plus. Soit tu changes, soit c'est fini. Et tu sais ce voyage qu'on a envie de faire avec Patricio et son mec? Eh bien je vais le faire. T'en profiteras pour ranger toutes tes merdes. Ce voyage me permet d'y voir plus clair. Je comprends enfin ce dont j'ai besoin dans ma vie. J'espère que toi aussi, tu sauras ouvrir les yeux sur ce que tu es et que tu finiras par trouver le bonheur.